Chers collègues, jamais touchés par Dieu, seulement par des prêtres. Cher public, touché par la grâce, mais jamais par la graisse. Bonjour ! Vous le sentez, le changement, les amis ? Non, Sunny Chan n'est pas redevenu vierge, les dégâts sont trop importants. Mais si, respirez. Michel en a parlé. C'est aujourd'hui le début du printemps. Le premier jour du printemps, le renouveau, un instant de joie. Oui, je sais, Jean-Marc Ayrault, toujours Premier ministre, mais ça ne va pas durer éternellement non plus. Oh, les cœurs ! Non, c'est chouette, le premier jour du printemps, non ? Alors serais-je le seul ici à avoir gardé mon âme de jeune fille fraîche et innocente qui s'émerveille devant le spectacle du réveil de la nature ? Oui, je suis resté très fleur bleue. Pour moi, l'arrivée du printemps, c'est l'étonnement devant un bourgeon qui se réveille, secoué par la sève qui monte en lui, conséquence directe d'un soleil aussi taquin que retrouvé, qui vient chauffer de ses rayons nouveaux un humus aux abois depuis octobre. Il s'éveille et s'étire vers un ciel toujours plus bleu jusqu'à ce qu'il devienne fleur. Et alors que cette dernière s'épanouit, telle une pupille innocente dilatée par l'envie de rencontrer l'inconnu, bam ! La voilà servie par l'arrivée bouillonnante et brutale d'un gros bourdon sans manière qui, tel un mufle, vient lui butiner gloutonnement, le pistil, comme ça, à la hussarde, sans même avoir été présenté avant. C'est ça, le printemps. Et quelle bonne idée, quelle excellente idée d'avoir comme invité aujourd'hui la volcanique Blancali. Blanca, vous me rendez dingue. Avec vous, le printemps n'arrive pas. Il déboule. Blanca, vous êtes comme une vague d'écume bouillonnante qui vient frapper le littoral aride de nos rivages ravagés par l'hiver et l'ennui. Vous êtes le marteau de feu qui vient frapper l'enclume glacée. Vous êtes le souffle de vie dans le poumon mort. Vous êtes la traînée de chantilly qui vient s'échouer sur la crêpe oubliée. Blanca, je me sentais moribond avant votre arrivée, mais depuis une heure maintenant, je me sens revivre. Comme vous le constatez, je suis dans un vilain état, Blanca. Mais ce n'est rien à côté de la fièvre qui est venue, de votre venue procure à notre chef, Fredo Lopez. Plus connu ici sous le pseudonyme Captain Chorizo. Ce matin, il n'était plus lui. Il était comme possédé. Debout sur son bureau, il était entièrement nu, couvert de sueur. Il chantait du Julio Iglesias en arrachant les poils de son torse un par un. Je n'ai pas changé, aïe. Je suis toujours ce jeune homme étranger, aïe. Puis il a stoppé net et il nous a dit: aujourd'hui c'est Blancali. Attention, personne n'y touche, elle est pour moi. Après l'émission, je vais l'emmener danser le flamenco sur le toit de la maison de la radio. Pendant qu'on dansera, je ferai cuire un stagiaire à la broche qu'on mangera en faisant regarder couler la Seine et mourir le soleil sous les reflets du fleuve qui s'endort à l'ombre de mes fesses qu'elle adore. Puis il s'est renversé un pot de sangria sur le corps. Il est sorti du bureau en hurlant, puis a ravagé une femme de ménage qui passait par là en lui chattant à l'oreille « Jobby, jobba !» Voilà, vous êtes prévenus, Blanca. Pour Fred Lopez, l'arrivée du printemps, ça se passe comme ça. Bon courage. Daniel Morin.